Bonjour, je m'appelle Antoine et ce dernier semestre, j'ai travaillé sur Binder, donc le framework d'IPC sur Android. Et j'ai décodé les différents IOCTL sur S-Trace, justement, dont vous a parlé Naïm à la conf précédente. D'abord, Binder, c'est du coup un mécanisme de communication interprocessus. Ça sert à un peu plus que juste envoyer des messages. Ça va nous permettre donc de partager de la mémoire, de partager des privilèges sur, par exemple, des fichiers, d'appeler des fonctions sur un processus distant et potentiellement de synchroniser des processus s'ils ont besoin de se synchroniser. L'objectif de mon travail, ça a été... pourquoi j'ai fait mon travail? C'est parce qu'on a envie d'isoler les applications et les services sur Android dans des containers pour éviter que si jamais il y a des problèmes de sécurité, on soit déjà en avance et que même s'ils peuvent s'échapper de l'application, ils ne pourront pas s'échapper du container. Donc, dans l'idée, on aura pour chaque application et chaque service des proxys dans les containers. Donc, par exemple, le proxy 2 ici, il va se comporter exactement comme le service ici et au niveau de l'application par contre il va communiquer avec le système hôte pour après communiquer avec le proxy 1 puis le service tout en nous permettant en fait derrière de revalider les transmissions et potentiellement de faire des checks de sécurité supplémentaires. Donc Binder, à la base, ça vient de OpenBinder, qui était développé par Be Inc. et Palm Inc. pour BOS, puis Windows CE, puis Palm OS. A été donc développé comme ça de 2001 à 2006, puis abandonné et repris vers 2008 par l'équipe d'Android, qui ont réécrit complètement toute la partie kernel et userland. Ils ont gardé au final quasiment que le header. Et au final, pour réduire la partie userland qui était énorme à la base et qui était trop grosse pour leurs besoins. Donc Binder, ça marche comment? Donc au début, on a le module kernel. Puis dès le début du système, enfin au démarrage du système, on a un context manager qui va se lancer, s'enregistrer au niveau du module kernel. Pour attendre que d'autres services viennent s'enregistrer auprès du Context Manager, qui est connu du module kernel, pour que derrière, après, les applications puissent demander au Context Manager où se trouve le service. Puis le Context Manager va effectivement renvoyer une handle, et puis l'application et le service vont pouvoir communiquer correctement. Donc typiquement, on a donc notre process qui va aller donc du coup demander au driver, le driver va lui répondre, et puis ensuite va pouvoir communiquer tout bêtement, sachant que là j'ai caché un petit peu d'informations, puisque souvent en Java va y avoir en fait un proxy qui va être généré à ce niveau-là pour donner l'impression que notre application, le service distant est local à l'application et puisse utiliser les fonctions comme si elles étaient locales. Donc Binder peut partager de la mémoire en fait via HMEM, qui est un autre module kernel développé pour Android, qui va renvoyer un file descriptor qui va en fait pouvoir être partagé via Binder, qui peut partager des file descriptors. Il y a aussi une autre feature qui s'appelle le link to death. En fait, Binder va garder des références sur tous les objets partagés et tous les processus qui les possèdent. Et en fait, dès qu'une application va être killée, même si elle est killée de manière pas standard, en fait, il va le détecter quand même et pouvoir notifier les autres applications qu'elle a été détruite. Il y a aussi donc le remote procedure call, donc pour pouvoir appeler justement des fonctions des processus distants. Et pour la sécurité, en fait, on va pouvoir récupérer le user ID et le process ID du process qui nous parle, pour pouvoir faire des checks de sécurité, regarder s'il a les droits de nous parler ou pas, etc. On peut aussi donc mapper des objets au niveau du kernel, et il y a un mécanisme de reference counting pour pouvoir justement nettoyer les objets dès qu'il n'y a plus personne qu'on a besoin. Donc Binder du coup est monté sur un module kernel.
qui va communiquer via des syscalls à la libbinder qui est codée en C++, puis à une API Java montée avec dessus des intents et l'IDL dont je vais parler d'ici quelques instants. Donc Java, les intents. Les intents sont une abstraction d'action et ont deux champs principaux, donc l'action et la donnée. Typiquement, là, nous avons comme action action dial et tel de point 1, 2, 3. Si on lance cet intent depuis une application, ça va ouvrir l'application téléphone avec le numéro 1, 2, 3 qui est déjà précomposé. Donc ça, c'est un intent du type, implicite, puisque on précise pas quelle application on vise. En pratique, ce sera le téléphone, mais potentiellement, il peut y avoir plusieurs applications qui vont se dire comme étant capable de téléphoner. Donc du coup, ça va demander à Android de choisir pour nous, en fait, et au final, ça va faire popper une fenêtre pour nous demander de choisir quelle application s'il y en a plusieurs. Et il y a les intents explicites qui, en fait, nous permettent de dire exactement dans quelle application je veux que mon intent soit envoyé. La deuxième feature de Java sur Binder, c'est l'IDL, donc l'Android Interface Definition Language, qui nous permet de définir des fonctions des interfaces pour justement le Remote Procedure Call, qui va nous faire semblant d'avoir des procédures locales sur une application, mais en fait qui target un service distant. Donc là, on peut voir qu'on peut définir des fonctions qui retournent des valeurs, donc par exemple getPID. On peut aussi passer des paramètres comme des entiers, des longs et des strings, mais on peut aussi passer des paramètres de type parcellable, dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Donc IDL, au final, comment ça marche? On va définir notre IDL, donc typiquement ce e-remote service par exemple. Cette IDL va en fait générer au niveau du service une interface stub que le service va devoir implémenter, et au niveau de l'application va générer un proxy en fait que l'application va utiliser directement, et une fois que la connexion sera faite entre l'application et le service, pourra communiquer de la même manière que si on avait chargé une bibliothèque ou quoi que ce soit, et qu'on travaillait vraiment sur des méthodes locales. L'API Java est basée sur l'API C++ qui s'appelle libbinder et qui intègre le mécanisme de parcel et de parcellable, où en fait ça va nous permettre simplement de sérialiser et de désérialiser les types simples dont je vous ai parlé qu'on peut mettre dans l'IDL pour en faire des objets plus compliqués qu'on pourra envoyer sur des messages binder. Le module kernel maintenant. Donc, un des premiers réflexes a été justement de strace une commande qui sert de binder pour voir ce qui se passe. Donc là, typiquement, on a strace de service check phone, et on voit donc du coup qu'il ouvre /fbinder. Donc on voit il fait des trucs sur le file descriptor. Puis ensuite, il va grep la version. Donc ça, c'est bien décodé. Il fait un mmap. Donc pour l'instant, je sais pas encore à quoi ça sert. On le verra plus tard. Et ensuite, il fait des trucs bizarres. En fait, les trucs bizarres, c'est qu'il s'avère depuis plusieurs années, la version Android, le makefile Android de strace, pardon, est cassé. Ne gère plus les IOCTL 32 bits. Ce qui est un peu dommage, puisque Android commence seulement à se mettre aux 64 bits. Donc du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le MMA. Enfin, d'abord, un autre réflexe a été de regarder un petit peu ce que pouvait faire le driver. Donc du coup, il peut poll. Donc ça a du sens, puisqu'on est sur de la communication interprocess. On va être notifié quant à ce que... qu'un événement s'est passé, on peut mmap, on peut open, on peut flush. Voilà. Et le mmap, par contre, m'a intrigué. PIM0 vous en parlera d'ici quelques conférences. Donc j'ai regardé un petit peu le code, le protection write était interdit.
Donc je me suis dit, c'est un peu étrange quand même, on peut allouer de la mémoire, on ne peut jamais écrire dedans. Ensuite, j'ai pas mal recherché avant de comprendre qu'est-ce qui se passait, et au final, c'est dans Frameworks, Native LibBinder Process State, que j'ai trouvé le seul endroit où c'était utilisé en production. Et au final, ce commentaire m'a bien aidé. Et heureusement, parce que c'est un des rares commentaires qu'il y a dans le code natif. Donc au final, en fait, ça permet au process de préallouer de la mémoire que Binder pourra utiliser derrière. Et ça a du sens parce que process state, c'est un truc qui est instancié dès le début d'un programme. Donc c'est dans le constructeur. Et comme ça, on sait que si jamais le mmap fail, on pourra quitter le programme simplement et s'en fiche un peu du reste. Enfin, au final, ça va nous permettre de crasher au début et pas en plein milieu dès qu'on recevra une communication. Ensuite, j'ai regardé pas mal les IECTL. Enfin, j'ai décodé les IECTL au final. Donc, les IECTL, donc pour IO Control, sont en fait tout ce qu'on peut pas exprimer comme étant des syscalls normaux. Donc, pour ça, j'ai ouvert le header, j'ai regardé les IECTL. Donc, d'abord, j'ai vu ça dès que j'ai ouvert le header. Donc, du coup, il utilise un ifdef pour définir s'il est en 32 ou 64 bits. Donc, ça va nous permettre potentiellement de gérer un userland 32 bits sur un kernel 64 bits. Et derrière, j'ai vu les différents IECTL, mais je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, il y a des trucs qui n'ont pas été décodés. Et pourtant, par exemple, binder version, etc., avaient été décodés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a donc dans binder write read, qui se trouve ici, donc binder write read, qui prend une struct binder write read, et en fait, dont la taille n'est pas constante si on est en 32 ou 64 bits, ce qui fait que les IECTL étaient mal décodés. Ensuite, j'ai continué à regarder le header, et j'ai trouvé d'autres trucs qui étaient en underscore IO, qui en fait normalement sont utilisés pour définir des IECTL. Et je les ai pas vus sur le strace. Au final, j'avais strace pas mal de trucs et je les ai jamais vus. Et en fait, il s'avère que c'est juste des énums, et ils ont décidé pour je ne sais pas quelle raison de mettre des underscore IO pour les utiliser. Ensuite, un des trucs les plus importants dans la communication. Il faut quand même communiquer en deux applications, et la structure la plus importante là-dedans, c'est Binder Transaction Data, qui donc du coup a un handle pour définir avec quel process on communique, un cookie, un code qui est en fait un code défini en userland pour définir quelle action on va utiliser. Ça va être fait plus ou moins automatiquement en Java. Donc si on utilise IDL, etc., les codes seront setés automatiquement. Des flags, le sender PID et le sender UID. Ensuite, il y a donc la donnée à proprement parler. Et un des trucs qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est cette union en fait avec un buff 8 où ils disent qu'ils s'en servent, etc. J'ai cherché dans le driver et en fait c'est un truc deprecated qui doit probablement venir de OpenBinder. Et dont il y a littéralement zéro référence dans le code du driver. Donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Donc une fois décodé, on a cet output qui est assez moche. Donc du coup, on va juste regarder un output que j'ai un tout petit peu clean d'une transaction. Donc du coup, le même service checkphone où au final il va juste aller demander au service manager si le service phone est bien là. Donc du coup là on va faire notre demande. En fait, handle 0 c'est le service manager parce que c'est toujours le premier service. Le cookie, il n'y a pas de cookie puisque il n'a pas eu de communication précédente. Code 2, je suppose que c'est pour dire je demande tel service. Il accepte les file descriptors et sender PID et sender UID ils sont à 0. En fait, c'est normal parce que ces deux champs, ils sont remplis par le driver en fait pour être sûr que c'est jamais usurpé. Donc après, on a la data, ici on a le nom du service et derrière, en fait, le driver nous répond donc avec le cookie qui est toujours à 0.
Le PID qui a 0, puisque le PID du Service Manager, c'est 0, l'UID qui est 1000. Et enfin, dans la data, il va nous renvoyer une handle, du coup, avec en fait le bon service dedans. Donc, du coup, ça veut dire qu'il l'a trouvé, et derrière, le service check va pouvoir afficher qu'il a trouvé le service. Donc, voilà. C'est un projet qui a pris... qui a été assez compliqué parce que au final j'ai pas forcément eu la meilleure approche. En fait, j'ai voulu partir directement du kernel et essayer de comprendre ce qui se passait en utilisant que le kernel, et au final je m'y retrouvais pas, et au final je m'y suis retrouvé en regardant ce qui se passait en haut niveau avec le Java, et en redescendant un petit peu sur tout ce qui se passait. Donc la suite après, ce sera effectivement d'implémenter des proxys, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?